Alors je serai bref. La rumeur et la fumée du bruit. Ah mon grand. Ça chôme. J'adore votre intérieur. Enfin, les meubles, le choix de la vaisselle, la décoration. Vous avez du goût. Je peux te tutoyer. Oui. Qu'est-ce que tu fais à marcher sur les routes en pleine campagne? T'es perdu, quoi? Rassurez-vous, je veux pas vous faire de mal, je veux discuter. Chut! Les gosses à l'étage, ils dorment! Haute vie d'épine. Fabrication artisanale de la belle-mère, vous m'en direz des nouvelles. Et vous avez un sérieux problème avec la boisson. Et vos courses, vous les rangez pas? Prise au piège! Non, mais je vais y aller, moi, je veux pas vous ennuyer plus longtemps. Je suis conquis. Pour qui les belles factures? Tu mets un petit blanc à suivre. Alors maintenant, il est trop tard pour la pitié. Tu dis pas putain! Mais t'es malade! J'en doute pas. Oula, c'est confus, ça. Moi, c'est pas seulement sur les routes que t'es perdu, toi. Oh, mais c'est sale, ça. On t'a jamais appris à faire le ménage correctement? Monsieur, ça suffit. Veuillez sortir de chez moi. Ta gueule. Si tu repasses dans le coin, tu reviens nous voir. Hein. Tu l'aimes, ton mari? Et merci pour le coup de main. On ordonne à mes troupes de rester en retrait. Je vois, Paul. Le pire dans la vie, c'est pas les échecs, c'est les regrets. Ah, Gabriel, ah, je la vois, Georges. Je la vois, là, juste en face.